Bien sûr que tout le monde est heureux. Déjà, on est heureux de se retrouver ensemble, toute l'équipe. C'est une équipe qui travaille depuis l'hiver pour se retrouver ici au départ à Bruxelles. Et forcément qu'on a du plaisir à se retrouver au départ de la course qui nous fait tous rêver. Deuxième temps à 11 secondes. C'est top. 10 seconds. Alaphilippe goes through. He's got Pinot under. And now Thibaut Pinot for second. All time games. Back onto the sealed road and the gradient increases. And it's Pinot sitting in second position. Allez, Thibaut! Allez, Thibaut! C'est sa montagne. Il peut nous procurer des sensations. Je pense qu'il n'y a aucun coureur qui puisse nous procurer autant de sensations. Allez, Thibaut! Allez, les gars! C'est Julien Alaphilippe, il y a également Peter Sagan. C'est l'équipe Quick-Step qui fait vraiment le forcing. Voilà maintenant, donc, ils sont dans la première bordure alors qu'à l'arrière, ça explose. Qu'est-ce que je dis? Rien à dire, c'est une journée de merde et puis c'est comme ça, quoi. J'ai pris des coups de bordure, il a déjà pris, et celle-là, j'arrive pas à l'accepter. On va aller au match. Course de vélo, c'est jamais fini. Jamais. La révolte du coureur franc-comtois Thibaut Pinot, effectivement, quatrième au premier intermédiaire. Provisoire pour Pinot au deuxième pointage intermédiaire. Attention, c'est une phase très importante là qui se joue dans cette étape. Allez, Godu! D'avance sur Bernal, 20 secondes d'avance. Allez, on continue, on avance le clou, allez! Il faut supporter ce coureur, qui est différent. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est en pleurs. Il a mal au genou. Ouais. Il est en pleurs. Thibaut Pinot est en pleurs. Là, je m'adresse au supporter. Il va vous apporter des émotions différentes. Thibaut, il a un côté humble. Sur le bord de la route, t'as beaucoup de gens qui sont humbles. Merci à lui, merci à toute l'équipe autour de lui. Tous ceux qui ont contribué, sous une forme ou sous une autre, à magnifier ce qu'a pu être aperçu à travers ses performances. Ils ont ouvert une porte. C'est une porte que pendant longtemps on a cru inaccessible. Alors elle nous a peut-être un peu claqué les doigts, mais on sait comment l'ouvrir. Et plus que merci, j'ai envie de dire on continue. Parce que merci, c'est souvent à la fin de quelque chose. J'ai pas trop envie de m'arrêter à la fin de quelque chose. J'ai plutôt envie de dire on continue. C'est jamais fini. Jamais.